Bonjour à tous. Le marché parisien est à la baisse à la mi-séance. Le CAC 40 repasse en dessous des 5400 points. Malmené depuis une semaine, Ingenico s'offre un bol d'air frais. Le titre prend 2%. L'action du spécialiste du paiement bénéficie du soutien d'HSBC qui a revu sa recommandation sur la valeur de conserver à acheter. Les investisseurs apprécient également l'avancée des négociations entre la Société Générale et les autorités aux États-Unis. La Banque française a indiqué être dans la dernière ligne droite pour trouver un accord avec la justice dans le litige concernant la violation d'embargos américains. Le dossier devrait être réglé dans les prochaines semaines. Bouygues, en revanche, perd 2%. Le titre subit des prises de bénéfices après la publication de bons résultats la semaine dernière. Iliad a dévoilé ce matin ses résultats intermédiaires. Comme attendu, le groupe a connu un premier semestre compliqué avec une perte d'abonnés tant sur le fixe que sur le mobile. Mais lors d'un entretien accordé à Bloomberg, Thomas Renaud, le directeur général du groupe Télécom, a néanmoins souligné que Free avait recommencé à recruter de nouveaux clients en juillet et en août. Une perspective donc encourageante pour les investisseurs. Le titre prend 3,6%. C'est la fin de ce flash. Prochain point sur l'actualité des marchés, ce sera tout à l'heure à la clôture.